Сейчас у нас в работе. Вот работа у нас есть. Bonjour. Quels sont nos résultats à ce jour? Nous avons approuvé et signé des devises estimatifs locaux. Il y a des devises dits fermés, c'est-à-dire que ce sont les devis pour les travaux que nous avons déjà réalisés. Ces devis ne nous intéressent plus. Il s'agit des travaux pour un montant total de 1,5 milliard de roubles, même plus, 1,7 à 1,8 milliard de roubles. À ce jour, nous avons signé 62 devis estimatifs pour un montant total de 704 668 073 roubles. Nous avons déjà réalisé des travaux pour un montant de 231 739 409 roubles prévus dans nos calculs. Je ne vais pas préciser les centimes. Il nous reste à payer 272 612 112 roubles. Il s'agit notamment des travaux qui devront être payés lorsqu'ils seront terminés. Mais nous avons également des calculs estimatifs locaux pour des travaux qui n'ont pas encore été effectués. Parce que les estimations changent en raison de la hausse des prix et nous devons constamment réajuster nos calculs. Cependant, nous pouvons toujours évaluer l'échelle de ces travaux. Par exemple, nous n'avons pas encore terminé le deuxième étage de la partie de production. Dans la zone entre les axes 16 à 23, où se trouvent les locaux techniques, économiques, administratifs pour le service d'approvisionnement et de vente, etc., nous n'avons pas encore effectué les travaux de finition ainsi que d'autres choses à cet endroit. De plus, nous avons obligation de construire des écrans insonorisants autour des installations climatiques et un écran insonorisant entre notre site et le site voisin de la société horticole. Nous discutons actuellement comment nous allons installer cet écran. Nous examinons la phase de conception de notre projet pour comprendre exactement ce qui a été prévu là-bas et comment installer cet écran de manière à en réduire les coûts. Nous avons trouvé la solution car il y a quelques différences dans la phase de conception et les plans du projet. Maintenant, nous étudions toutes les nuances pour convenir dans notre devis estimatif. Voilà le total que nous avons. Selon les calculs actuels, l'achèvement de tous ces travaux demande 742 612 112 roubles, soit le double pour Solar Group. C'est un chiffre estimatif, mais pas définitif, car je ne peux pas savoir exactement ce qui va se passer d'ici la réalisation réelle. À noter qu'un autre montant important sera nécessaire au stade de la réception du document sur l'achèvement de la construction pour pouvoir apporter des modifications aux éventuelles irrégularités que vont nous signifier les autorités, mais aussi des fonds pour entretenir le bâtiment et obtenir un permis de mise en service afin que nous puissions commencer à travailler. Voici les chiffres, mais il y a d'autres aussi. Vous avez probablement vu à quel point les travaux ont été dynamiques ces derniers temps. Pourquoi? Parce que les investisseurs payaient leur PAC. Tous les travaux sont directement liés au taux d'investissement. Si nous avions assez de fonds, il serait possible d'embaucher jusqu'à 700 ouvriers, mais ils doivent être payés. Personne ne travaillera sans salaire. Par conséquent, les délais de l'achèvement des travaux, ainsi que ceux de la mise en service de notre bâtiment, ne dépendent que de vous, chers investisseurs. Nous pouvons réajuster nos calculs plusieurs fois et faire des prévisions, bien sûr.
Cependant, tout ce qui a été fait, vous le voyez déjà dans nos vidéos. Tout ce que nous avons à faire ne demande que quelques étapes à suivre pour pouvoir commencer notre activité commerciale. La première étape consiste à terminer la construction et à obtenir le document sur l'achèvement de la construction. La seconde est d'obtenir le permis de mise en service du BTUI. La troisième est d'enregistrer la propriété de la parcelle. La quatrième est de comptabiliser tout cela au bilan de l'entreprise. La cinquième étape consiste à évaluer tous les actifs corporels et incorporels. La sixième est de procéder à l'actionnariat. La septième consiste à céder les parts de Sovelmash par Sola Group aux investisseurs qui ont investi. Une partie des actions restera bien sûr à la gestion de Sola Group, mais une partie des actions devra être cédée aux investisseurs. Voici les étapes à suivre. Que pouvons-nous dire exactement? C'est que nous sommes maintenant dans la phase de mise en œuvre du projet. Lors du dernier webinaire, nous avons dit que nous avions signé 62 devises estimatifs. Je peux vous montrer ces documents. Il y en a beaucoup. Nous avons parlé du montant indiqué dans ces devis. Il s'agit de 704 668 073 roubles. À ce moment-là, il nous restait 272 612 112 roubles à payer. Il s'agit du montant que je peux annoncer parce que cela a été calculé avec précision. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? À ce jour, la situation est différente. Rappelez-vous, il y avait un montant requis de 704 millions de roubles. Maintenant, il ne s'agit déjà plus que de 686 millions 632 700 roubles. Je peux préciser. Nous avons achevé des travaux prévus par nos calculs pour un montant de 223 717 540 roubles contre 231 millions annoncés précédemment. Le montant a donc déjà changé et le montant de 704 millions a été remplacé par les 686 millions de roubles. Les calculs se poursuivent, tout cela est dynamique. Une semaine passe et le montant a déjà changé. À noter qu'il s'agit des frais qui ont déjà été pris en compte. Mais nous avons d'autres travaux qui devront être estimés et par conséquent, nous devrons attirer plus de fonds, notamment environ 470 millions de roubles. Mais j'avoue que nous ne l'avons pas encore calculé et aucun calcul estimatif d'un tel montant n'a encore été fait. Je peux littéralement dire que dans un ou deux jours, cette situation changera. Il s'agit d'un processus très dynamique. Il est extrêmement fluctuant. Lorsque nous avons parlé des résultats, nous avons souligné que ces résultats ont été obtenus grâce à l'augmentation des fonds reçu sur le compte de Sovelmash par rapport aux années précédentes. Cela a permis d'accélérer les travaux, de rapprocher pratiquement l'achèvement des travaux avec les réseaux de viabilisation extérieure, d'aménager le terrain, de se préparer pour la saison froide, et de connecter le système de chauffage. En fait, il ne s'agit plus uniquement de la question de la connexion du chauffage, mais plutôt de celle de l'approbation des documents. De plus, il y a certaines procédures que nous devons passer pour cela. À noter aussi que chaque procédure a un certain délai d'exécution.
Quand arriverons-nous au moment de la réception du document sur l'achèvement de la construction? Je ne le sais pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas quel montant nous pourrons obtenir sur le compte courant de Sovelmash. En fait, nous pouvons choisir l'une des deux options de travail. Nous pouvons utiliser les fonds au fur et à mesure qu'ils arrivent. Ou bien nous irons établir un plan financier mensuel pour savoir combien de fonds doivent être collectés. Moi, je ne peux pas écrire ce plan parce que je ne suis pas engagé dans la collecte de fonds. J'ai d'autres responsabilités. Cependant, si nous approuvons vraiment certains montants à lever mensuellement, cela signifie que quelqu'un doit comprendre exactement combien d'argent les investisseurs pourront investir. Je ne peux pas assumer cette responsabilité. Je comprends que ce processus n'est pas permanent. Oui, bien sûr, on peut voir les statistiques. Par exemple, dans ma ville, j'espérais autrefois construire un crématorium. Les autorités m'ont refusé et ils m'ont dit que cela n'était pas nécessaire. Et maintenant, ils ont reconnu leur erreur et ils disent que j'avais raison. Mais le crématorium n'a jamais été construit. De toute façon, quelle est la probabilité du taux d'investissement régulier? Je ne le sais pas. Si les fonds levés atteignent le montant de 60 millions de roubles, ou même 90 millions de roubles par mois, alors nous pourrons parler d'un éventuel achèvement de la construction au premier trimestre 2024. Mais il y a une autre nuance. Beaucoup dépend de la préparation minutieuse de tous les documents. Parce que préparer 36 dossiers avec des documents n'est pas facile. Nous le faisons depuis longtemps. Ce dossier prend en compte tout, du contreplaqué pour la protection contre le vent et le rayonnement thermique du bâtiment, aux charges pour des émissions atmosphériques pendant la construction. Tous les documents et quittances nécessaires sont empilés. L'évacuation de la terre, l'utilisation de véhicules de chantier, l'utilisation du béton et de la ferraille, tout est pris en compte et calculé. On fait tout ça depuis longtemps. Mais j'ai souvent demandé aux représentants d'autres projets combien de temps il leur a fallu pour préparer tous ces dossiers. Pour les plus insouciants, il a fallu jusqu'à 12 mois. Voilà le délai pour obtenir un document sur l'achèvement de la construction. Ils déposent le dossier, on le leur renvoie, ils le déposent à nouveau après y avoir apporté des modifications, mais on le leur renvoie à nouveau. Je pense que cela ne nous convient pas. La conclusion sur l'achèvement de la construction doit être faite dans les plus brefs délais, conformément à la feuille de route qui a été publiée sur notre site web. Tout est indiqué là-bas. Nous allons donc travailler dans ces délais. J'espère que nous pourrons le faire. Ensuite, nous allons fournir le dossier pour obtenir un permis de mise en service. Cela prend généralement moins de temps. Le montant que nous avons négocié lors du dernier webinaire et qui a déjà été ajusté, 742 millions de roubles pour Sovelmash, comprend tous les travaux jusqu'à la réception de la conclusion sur l'achèvement de la construction. Mais il est nécessaire de disposer de cette somme plus tôt, pas uniquement au moment de la réception de ce document. Lorsque nous aurons terminé la construction,
nous aurons le droit de déposer les documents. Et c'est à ce stade que le montant indiqué devra être en notre possession. Merci beaucoup pour votre attention et votre soutien au projet. Au revoir.